Petit message avant ce live, juste pour vous tenir au courant. Et si vous voulez ne rater aucun live, vous avez juste à venir. Cliquez dans la description, il y a un petit lien, c'est ma chaîne Twitch, et je vous invite directement à venir. Voilà. Donc je vous refais un résumé du bulletin insulaire et tout. Marie qui me fait une annonce et qui me dit Hello le sang. Et elle me dit il y a une nouvelle personne au camping. Parce que pour tous ceux qui ont raté le live d'hier, Lola est partie de notre île. Lola est partie de notre île. Genre Lola, c'est terminé quoi. C'est. Elle a tracé sa route et elle est partie. Et leur sentence est irrévocable. Du coup, tu sais, première chose que je fais littéralement, je vais au camping. Et il y a plein de personnages que j'avais envie d'avoir, tu sais, j'avais noté sur une petite liste et tout. Mais il y avait un personnage forcément que j'avais très envie d'avoir si vous avez suivi les dernières rediffs. Et alors, je rappelle qu'il y a 450 personnages au total sur Animal Crossing. 450 personnages. 450 hein. Ce qui veut dire que si je veux un personnage du plus profond de mon cœur, j'ai une chance sur 450 de l'avoir. Je sais pas si vous vous souvenez. Genre, j'ai ouvert cette porte là, je me suis dit, dans cette toile de tente, une chance sur 450. J'avais envie que ça tombe sur Stéphane, je sais pas comment tu dis. J'avais envie que ça tombe sur, je sais pas moi, tu sais, un personnage stylé, un lion, quelque chose comme ça, tu vois. Bon, bien entendu, y a un personnage que je voulais plus que tout parce que c'est un peu l'amour de ma vie, quoi. Je voulais que ça tombe sur Rosie. Mais je me suis dit, mais impossible. Une chance sur 450, ça serait vraiment le destin, quoi. Et du coup, je suis rentré dans cette toile de tente. Et quelle fut ma surprise? Oh là 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 là, le suspense est à son comble, et oui! Elle est là! Elle est là! Oui! Yes! Wouh! Incroyable! Une chance sur 450! Une chance sur 450! What the fuck? Comment c'est possible? Je vous jure, genre vraiment juste, elle m'a dit, Marie m'a dit, il y a quelqu'un au camping! Je me dis, vas-y, j'y vais, mais genre vraiment sans aucune conviction, quoi. Et tu sais, ça fait une bulle en plus, genre ça fait ça, là, comme ça. Ça se dézoome, je vois la tête de Rosie, je me dis, non, c'est. Enfin, je sais pas, mon cerveau, il a pas tilté directement. Et là, je regarde mieux, mais c'est totalement elle! Mais c'est incroyable! Et juste après tout ce qui s'est passé avec Rosie, entre Actuan, Rosie et moi, depuis le début, c'est une crème avec moi. Quand tu vas sur la chaîne d'Actuan, tu vois que des clips où elle dit que des dingueries sur moi et il se passe rien avec Thomas. Ce qui s'est passé, c'est que pendant quasiment une semaine, il m'a empêché d'aller chez lui pour que je puisse parler avec Rosie. Du coup, forcément, il se passait des dingueries en mode, genre sur son stream, il se passait des trucs en mode de temps en temps, elle disait ouais, je t'aime bien, elle parlait moins de moi parce que j'allais moins la voir, mais on se parlait par message, bien entendu, parce qu'on va se marier. Il a retourné, il a matrixé son chat et tout. Et ben voilà, je vous avais dit déjà, ah Thomas qui me dit t'es le pire. Déjà, premièrement, j'avais parlé du mariage avec Rosie. Et comme par hasard, quelques jours après, il y a une annonce de Nintendo qui dit on a rajouté l'événement mariage. Bam! Première coïncidence. Deuxièmement, j'avais dit Rosie, elle, quand elle est pas chez toi, en fait elle vient chez moi, elle se pose, on discute chez moi et tout. Bam! Elle arrive dans le camping. Et ça c'est une coïncidence, tu vas dire mon rey, ça tu penses que c'est des hasards? Ça tu penses que c'est une coïncidence de la vie? Moi je crois pas. Moi je ne crois pas. Mais si tu dis ce qui est tout le monde de toute façon. N'importe quoi Inès, de quoi tu parles? C'est pas parce que je drague, c'est juste que je passe vite à autre chose quoi. Au début peut-être je draguais un peu Joyka, après ça a été Linka, après ça a été Kalevis, après ça a été... De quoi chérie? Ça va pas? Non j'étais en train de... Non mais effectivement t'sais genre... T'es pas énervé ou quoi? Non. Ouais, pourquoi tu fronces les sourcils du coup quand tu me regardes? Bah je sais pas. Ah ouais tu sais pas? Tu devrais le savoir peut-être. Non, enfin, attends, là on est en live et tout. Ouais. Tu veux qu'on en parle après? Ouais. Vas-y, on en reparle après. T'énerves pas comme ça, hein, c'est... Non, mais elle déconne, c'est grave une actrice et tout, tu sais. Ouais. Je veux pas en faire trop, ça peut m'arriver de temps en temps. Mais si j'habitais dans un endroit comme celui-ci, ma vie serait genre 1 million de fois plus excitante. Et voilà, elle est en train de dire que la vie ici serait 1 million de fois plus excitante que si elle habitait sur l'île d'Actuan, sur Actuil. Et c'est normal, en fin de compte, c'est normal. Oh oui! Reste éclaté ici, c'est exactement ce qu'on veut! Reste éclaté ici, elle a prononcé les mots. Reste éclaté ici... Que je reste ici. Ah, elle est très bonne comédienne. On croirait presque qu'elle est surprise alors que c'était prémédité depuis le début quoi. On va pouvoir vivre notre histoire d'amour avec Rosie et notre histoire d'amitié profonde avec Rosie. Et hein? Mais rien, je live là. Tu comprends pas que c'est un... Je dois divertir les gens? Ouais, c'est ça. Que je reste ici? Je peux pas. J'ai tous mes danseurs et mon staff sur mon île. Je peux pas tous les ramener ici. Je vais devoir décliner ton offre. Non, quoi? Mais ça me touche à fond que tu aies eu envie de m'avoir comme voisine. Attendez, non, c'était dans le script. C'est pour les rebondissements, c'est pour le watch time sur YouTube. Bienvenue les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est là aujourd'hui pour faire un maximum de vues, un maximum de watch time. N'hésitez pas. Une pub tout de suite. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est prévu. Tout est calculé. Regardez, je vais vous montrer la preuve qu'il y a déjà sa place, mais qu'elle joue un petit peu du suspense. Attendez, je vais quand même aller vérifier parce que ça se trouve Tom Nook, ça se trouve Actuan a appelé Tom Nook pour nous mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est pas impossible. Oh, si on faisait un petit jeu histoire de mettre l'ambiance. Si tu gagnes, je te file une poubelle. Comment ça se arrête? Ah mais non, mais d'accord, je comprends, elle est déjà en train de penser aux meubles pour notre maison. Parce que c'est vrai que j'ai pas de poubelle chez moi. Et c'est con quoi de... Elle pense déjà à l'aménagement quoi. Ok. Messieurs, dames. Quel symbole est imprimé sur cette carte? Est-ce un cœur, un carreau, un pic ou un trèfle? Vous sentez la grosse montée de stress qui vous envahit? Et maintenant, répondez-moi. Qu'est-ce que c'est? Vous avez le droit à l'appel du public, monsieur?
Et le public semble voter majoritairement pour le cœur. Le cœur, symbole de l'amour, de couleur rouge. Le suspense est insoutenable. On rappelle que cette question ne vaut absolument aucun euro, mais elle met quand même en jeu une poubelle jaune. Je me chie dessus littéralement, actuellement. Ça coule le long de ma jambe, mais ça fait plaisir. Le suspense est à son comble, les votes arrivent à leur fin. Ça y est, c'est cœur qui a été élu. Attention, croisons les doigts, est-ce que vous êtes prêts? Quelqu'un qui en fait des tonnes. J'espère que c'est la bonne raison. Je suis venu sur ce plateau juste pour gagner cette poubelle jaune. C'est parti! Ah non! C'était le carreau! Non! Désolé, tu repars sans cadeau la prochaine fois peut-être. C'était top à refaire absolument, repasse me voir flûte. Écoute Rosie, tes cadeaux sont fabuleux, mais le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est ta venue sur mon île. Je m'éclate tellement au camping d'ici que je peux pas rentrer chez moi. Mais oui, rentre pas chez toi! Mais comme on dit, les meilleures choses ont une fin, alors je suppose que c'est inévitable, flûte. Viens vite ici, oui! Allez, reste là! Reste là! Tu me demandes de venir vivre ici? Encore? Ça commence à... Yes! Regardez, elle rougit! Elle rougit! Entre toi et moi, c'est pas nécessairement pour me déplaire. Avec un cœur! Oui! Avec, elle a rougi plus un cœur. C'est pas nécessairement pour me déplaire. Tout est là! Ça, c'est la Rosie que j'aime. Ça, c'est Rosie. Voilà, est-ce que vous voyez des choses comme ça avec Actuan? Non! Tu sais comment on pourrait trancher? Avec un jeu. Quoi? La vie n'est-elle pas un long jeu? Si je gagne, je repars à l'aventure. Oh! Mais attendez, mais... Attendez, j'ai une... Qu'est-ce qu'elle me fait, la sœurette? Si je gagne, je repars à l'aventure vers d'autres, vers des horizons inconnus. Si tu gagnes, je m'installe ici. Qu'est-ce que tu en dis? Mais elle-même, elle est stressée, regardez! Je vais gagner. Oh là là, let's go! Sans plus attendre, place aux cartes. Devine ce qu'il y a sur la carte que je vais tirer, flûte. Attendez, 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 j'étais pas prêt là. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, waouh! Waouh, 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 attendez. Attendez. Ok, les gars, rouge, noir ou ne se prononce pas? Dites-moi! Quelle carte? Je rappelle, si on se trompe, elle repart chez elle. Si on a bon, elle reste sur l'île. Je crois que j'ai jamais autant stressé sur Animal Crossing. Ok, je vote pour rouge. Oui! Yes! Yes! Oui! Oh les gars, j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose d'incroyable! La couleur de l'amour! Oui! J'ai une nouvelle, ok, ok. J'ai fait du forcing au bureau des résidents. Résultat, je peux en mettre... Oh! Yes! Oh là là, oh là 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 là. Vous savez quoi? J'immortalise ce moment. Et voilà, capture d'écran. Parce que ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est qui Rosie? Oh, les gens qui ne connaissent pas Rosie, c'est... Bah là, j'en profite parce que ma meuf est en haut. C'est la femme de ma vie, en fait. C'est la meuf que j'aime. À pâle. Genre, vraiment, je l'adore. C'est vraiment, genre... tu vois? Il y a des coups de foudre dès que je l'ai vue, tu vois. Et... Pff, voilà. Des gens ils vont vraiment se dire mais il est malade, il parle d'un PNJ dans un jeu. La pauvre elle dort dans une toile de tente pour le moment, mais c'est vrai que ça reste quand même... Elle vaut mieux dormir dans une toile de tente et être libre que de dormir dans une maison au milieu d'un lac avec des barbelés quoi. Je la comprends, hein. Je comprends pourquoi elle a dit qu'elle se sentait mille fois mieux ici quoi. Cette île est terrible mais dans le bon sens du terme lol. Et voilà, la petite Rosie qui est là. C'est la Rosie de chez Actuan. Ouais, en gros Actuan il a une Rosie chez lui là. Si tu veux, je vous réexplique le plan pour ceux qui ont raté et qui voudraient savoir. De base il y avait Rosie chez Actuan. Donc la Rosie avec laquelle j'ai eu un coup de foudre. C'était la crush de Thomas. Et en gros le souci, ce qui s'est passé, c'est que bah ça a été le vrai coup de foudre entre Rosie et moi. Actuan l'a un peu mal vécu. Du coup, quand bah vous avez vu tout ce qui s'était passé, donc l'épreuve d'amour et tout ce qui s'est passé en lien avec Rosie. Actuan l'a très mal vécu. Du coup, il m'a empêché de venir la voir, donc il a fermé les portes de son île. Il l'a emmuré autour de barbelés. Vraiment, il l'a empêché de sortir quoi. Et qui plus est, il l'a torturé un peu. Genre il mettait de la musique ou il lui forçait à rêver. J'ai pas envie de m'étaler parce que ça me fait mal au cœur rien que d'y repenser. Ça me fait trop mal au cœur pour ma petite chérie. Enfin bref. Du coup, elle était malheureuse. Genre elle m'envoyait des SMS, elle me disait mais c'est pas possible. Oh, oh comment on capture? Comment on capture? Attendez. Oh parfait, vous êtes vraiment le sang. Yes, des fourmis. Trop cool. Trop trop cool. Tu as attrapé une fourmi, tu savais que la fourmi cronde. Fourmi cronde. Oh non, fourmi cronde. Oh. Je me fais avoir en plus, hein. Je le répète plusieurs fois, on dirait Mo dans les Simpsons quoi, le vieux teubé qui comprend pas les jeux de mots. On va les donner à Thibaut, et après on va aller les revendre aussi. Savoir combien ça coûte, je suis curieux. Je pense pas que ça coûte une blinde. Ok, c'est parti, vas-y Thibaut. En quoi puis-je être utile? Faire une donation. Fourmis, ça doit être beau en plus les fourmis, s'ils les mettent un peu en masse. Arg, une fourmi qui a la bonne animation sur pattes, il me faut pourtant. Désires-tu savoir davantage sur ce spécimen? Je suis curieux en vrai. Vas-y, on regarde l'histoire des fourmis, je suis assez curieux. J'aurais mieux fait de fermer mon grand bec. Mais même lui, ça le saoule, ses explications maintenant. Ok, alors, bien. Je préfère te prévenir, si la fourmi peut paraître inoffensive, elle s'avère à son échelle une force de la nature. Ça, je savais. Vois-tu, la fourmi est la créature la plus forte du monde par rapport à sa taille. Je le savais, ça. Je suis fier, j'ai une culture G un peu. Un seul de ces petits démons peut porter l'équivalent de 50 fois son propre poids. C'est ouf en vrai. Imagine si on pouvait faire pareil. En cas de charge plus lourde, pas de problème, on appelle les congénères à la rescousse. Et là, l'union fait l'effroi. C'est pas sûr. Je te remercie. Oh, c'était juste ça? Ah, je m'attendais à un peu plus de description. Bon bah du coup, on savait déjà tout ça, je crois.